Mohamed Saïd, responsable de l'atelier Kashkaba. Le Guinawa bruxellois, au départ, c'est une troupe qui était constituée à Bruxelles depuis les années 99, je crois, avec une ASBL. Et puis on a décidé de créer des ateliers aux jeunes pour faire connaître un peu justement la culture Guinawa aux jeunes qui sont nés ici et qui étaient un peu perdus par rapport à leur culture. Avant, c'était les Guinawa confréries, c'est-à-dire c'était les Guinawa qui s'étaient enfermés dans les maisons avant l'année 75, je crois. Quand les grands maîtres de jazzmen sont rentrés au Maroc pour un peu découvrir les Guinawa, ils l'ont découvert et ils ont décidé de fusionner cette musique qui était extraordinaire pour eux, qui touchait un peu tous les horizons de musique. Et à partir de 75, ils ont créé leur première cassette au Maroc. Et c'est à partir de là que c'était un peu dans le monde entier. On a des Européens qui viennent ici faire des cours. Et quand vous les voyez jouer, vous dites c'est pas possible, c'est pas leur style. Mais si, c'est leur style. C'est une musique. Et la musique, il n'y a pas de frontières. C'est ça qui fait qu'il y a ces succès-là. La musique est large. Un musicien ne peut pas parler français ni anglais. Moi non plus. On peut s'entendre musicalement. La musique guinawa, le rythme guinawa, peut se mélanger à tous les rythmes. On n'a jamais eu de problème. Pourquoi ? Tout ce qui est reggae vient de la rythmique guinawa. Jazz s'inspire de la musique guinawa. Blues, même chose. Donc nous, quand on arrive avec notre rythmique, on n'a pas de difficulté à s'intégrer à notre groupe. Eux, ils arrivent et s'intègrent directement. Nous, on arrive, on s'intègre directement. On ne ferme pas les portes. Femmes, hommes, petits, grands, moyens, tout âge, toute nationalité. Et ça attire beaucoup de monde.